Master Dressage Rhône-Alpes 2016. Nous sommes avec le président du comité régional, Yves Tourvial. Alors, Yves Tourvial, votre sentiment sur cette édition 2016 qui est en train de battre son plein? Écoutez, nous sommes au cœur de l'action. J'ai l'impression que cette 9e édition s'annonce sous les meilleurs auspices. Il y a énormément de monde ce soir. Nous sommes une remise des prix de la première journée avec une participation exceptionnelle de 500 cavaliers, dont la participation d'un champion olympique et d'un champion de France. Et on peut noter une progression du nombre d'engagés dans la discipline du dressage de plus de 25%. Donc c'est vraiment d'une part un événement maintenant exceptionnel et puis une discipline qui progresse d'une façon exemplaire. Donc on peut dire que le dressage en Rhône-Alpes, c'est une valeur sûre. Oui, je pense que Gérard, vous le connaissez, c'est le responsable de la commission dressage avec toute son équipe, fait un travail très très important toute l'année. C'est un petit peu l'aboutissement ici au niveau de ce championnat et je pense que c'est une discipline maintenant qui a pris son rythme de croisière avec un bon développement et on en est presque à concurrencer le CSO, pas tout à fait mais presque. Alors le dressage ici, on parle du dressage compétition, mais le dressage c'est quand même à la base de toute équitation. Est-ce qu'on a du travail à faire au niveau du comité régional pour développer encore la discipline dans les clubs? Oui, je pense que les enseignants ont bien compris que le dressage du cheval, le dressage du cavalier, entre guillemets, c'était quand même la base de l'équitation, la base de toutes les disciplines. Donc évidemment, nous mettons en place des formations qui sont ouvertes aux responsables et aux cavaliers de plusieurs disciplines, l'attelage, le dressage, le saut d'obstacle. Il y a tellement de disciplines maintenant qui ont besoin de s'appuyer sur des bases solides de dressage qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que c'est reconnu par tous. Alors, Equimaster Dressage après les Equimaster CSO, ça c'est deux grands rendez-vous à Chazet du Parc du Cheval, mais le Creuse prépare un autre très grand rendez-vous, c'est Equita. Vous êtes prêt pour Equita, monsieur le président? Oui, tout à fait, nous sommes prêts pour Equita. Je ne serai pas cavalier, hein, mais les cavaliers sont prêts pour participer aux finales, aux grandes finales. Enfin, on les appellera comme on veut, mais en tout cas, Equita nous ouvre ses portes pour le CSO, pour le dressage, et je crois que tous les cavaliers de la région attendent cet événement avec impatience. Merci, donc rendez-vous très bientôt maintenant sur un nouvel événement, le CRERA, et on sera présent avec notre Web TV à Equita. Tout à fait, nous serons présents sur Equita, sur le stand du comité régional, et nous aurons ici notre Web TV en direct, donc n'hésitez pas à nous rendre une petite visite, vous y trouverez le meilleur accueil. Merci.